Aujourd'hui, je vous propose une rencontre en pleine ville avec un artiste et des oiseaux. Aujourd'hui, je pars en reportage à deux pas des bureaux de la Salamandre, en pleine ville. Allez, venez, on y va. Neuchâtel, Place Purie. Allez, c'est par là, il doit être par là. Alors... Ah ben voilà, il est là, Nick. Salut. Salut. Je te trouve quand même. Oui, voilà, enfin. Bon, alors, t'as déjà fait des jolies choses, tu me montres. Ah bah oui, voilà, un petit peu, voilà. Bah là, c'est la banque en face. Ah bah oui, à Neuchâtel, il y a des banques. Voilà. Et il y a aussi des moineaux. Voilà. Ah ouais. Dans les fleurs. Il se tient juste en équilibre là, c'est chouette. C'est ça, voilà. Ouais. Donc on a trouvé des moineaux. Voilà. On espère qu'ils vont pas s'en aller à notre arrivée. On est en été 2019 et Nick Derry est là pendant deux jours à Neuchâtel pour dessiner des moineaux pour un dossier de la Salamandre qui va paraître en août 2020. Ça fait longtemps que tu dessines les oiseaux, Nick ? Depuis toujours, je dirais plus que 30 ans. Qu'est-ce que tu aimes dans les oiseaux ? La variété, la liberté. Et tu as des oiseaux que tu préfères ? J'aime tout, hein. Mais il y a certains que j'aime beaucoup, le tichodrome, hein, ça on sait déjà. La bécassine sourde, j'aime beaucoup cette espèce, que je ne vois pas très souvent. La fauvette babillarde aussi, j'aime beaucoup. Le butor. Bah, je pourrais donner une liste de tous les oiseaux là, c'est vraiment... j'aime de tout. Et le moineau, c'est un oiseau qui t'intéresse ? Ah bah oui. Bah, surtout parce qu'on était anglais, il y avait plein quand j'étais enfant. Et à chaque fois que je rentrais chez mes parents pour Noël ou pour des fêtes, je constatais qu'il n'y avait plus chez mes parents. Alors que quand j'étais enfant, il y avait une trentaine dans le jardin. Et on ne sait pas pourquoi il n'y en avait plus. Alors qu'on estime, oh, c'est commun, il y en a partout, c'est pas en danger, mais ça peut vite changer. C'est inquiétant. Qu'est-ce qu'il a particulier, le moineau ? Ça fréquente le milieu humain. Et je vois quand même un petit reflet de notre caractère humain dedans. Ils vivent dans des groupes, ils se disputent, ils restent ensemble. Je vois des parallèles avec notre espèce. Même si je n'aime pas anthropomorphiser la nature, je vois quand même des similarités. Tu vois encore des moineaux friquettes de temps en temps ? Oui, bien sûr pas en ville, mais là où je vais souvent, dans le Jura, il y a un petit noyau, jusqu'à une cinquantaine, et des fois mélangé avec les moineaux domestiques aussi, donc on voit bien la différence. Et pourquoi tu penses qu'ils ont disparu de tellement d'endroits ? C'est les changements d'habitat, l'espèce a besoin d'arbres creux pour nicher, c'est quelque chose qu'on perd de la campagne. Mais souvent avec les moineaux, c'est un mystère pourquoi il y a des diminutions. Qu'on a vu avec le moineau domestique en Angleterre, on ne sait pas vraiment. Peut-être il manque des études, peut-être les gens ils pensent pas que ça vaut la peine de les étudier comme ils sont toujours assez communs. Et tu peins toujours sur le terrain, comme ça ? Souvent, aussi dans l'atelier. Je ne maîtrise pas bien l'aquarelle, c'est difficile à maîtriser. C'est pour ça que j'utilise beaucoup plus de collage et acrylique, comme ça je peux changer ce que je veux faire, parce que l'aquarelle ne pardonne pas. Et puis ces croquis et ces aquarelles de terrain, c'est la base de ton travail en atelier, après. Oui, bien sûr. Voilà, je trouve des idées, et si je ne finis pas un tableau sur le terrain, c'est le point de départ pour les tableaux un peu plus réfléchis chez moi après. Par contre, j'aime bien l'idée de faire le maximum sur le terrain parce que c'est là on a le sujet devant soi, à réagir à une situation, à un événement en vitesse, avec peu de moyens, transmettre cet instant vécu ou essayer de transmettre cet instant vécu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la vie du moineau et puis de découvrir les beaux dessins de Nick Derry, eh bien, il ne faudra pas rater le prochain numéro de la revue La Salamandre, apparaître début août. Et le meilleur moyen pour la recevoir, c'est tout simplement de vous abonner à cette revue 100% nature en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. À la semaine prochaine sur la Minute Nature. Pour découvrir la revue Salamandre, c'est juste le bouton en bas à droite.